Ce vendredi, les Spirou se déplaçaient à Liège pour leur premier match en Ligue Étias. Après leur succès en Euroleague, il fallait confirmer en championnat leur bon état de forme. Le premier quart débute à l'avantage des Liégeois qui mènent 7-2 sous l'impulsion de Bostic. Mais les Spirou reprennent vite les devants. Şengelya, auteur de 5 points et 3 rebonds en à peine 4 minutes, est bien présent. Toute l'équipe s'y met et c'est une vraie avalanche de paniers qui submerge le Country Hall avec une belle réussite à distance. Les artilleurs s'en donnent à cœur joie. Les Carolo alignent un 0-13 avant de terminer le premier quart avec 20 unités d'avance, 9-29. Les Liégeois n'arrivent plus à contenir nos Spirou et sont dépassés par les événements. Le match se transforme en une séance de démonstration et les hommes de Gio Bozzi ne lâchent rien. Un collectif bien rodé, une nette domination au rebond. Les Carolo explosent le score à la mi-temps, 17-57. Les Liégeois tenteront de réagir dans la seconde mi-temps en gagnant les deux quarts suivants. Mais les choses sont faites depuis longtemps et les Spirou rassasiés clôturons le match 60-87 avec un super Mallet qui termine MVP de la soirée avec 28 points à son actif. Şengelya, auteur d'un très bon match avec 24 points. Les plus forts sur papier ont montré qu'ils étaient aussi les plus forts sur le terrain. Il s'agira de confirmer mercredi au Spirou Dome pour la venue des Giants anversois. Un beau duel probablement moins facile à négocier.